my strategy plan. Radio Campus 93.3, les rapporteurs. Et ça chauffera pour ton cul, sale français. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, les rapporteurs 93.3 FM, comme tous les jeudis de 21h à 22h dans ton sound system. On est ensemble, et ben la team habituelle, celle qu'on n'avait plus l'habitude de revoir, la première fois de l'année qu'on est tous les trois. Ça va les gars? Et bah ouais, salut, bon, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous. Mais ouais. En fait, on a déjà fini l'émission la semaine dernière, mais t'étais pas là, c'est pas grave. Meilleurs vœux à tous. MC CCP, MC Kalashnikov King, MC Binala, on est là pour les rapporteurs. Il y a du monde dans le studio ou c'est moi qui hallucine? On est envahi quoi. On est envahi ouais. Oh là là, c'est incroyable quoi. On se croirait presque à Gaza. Ah non, on n'avait dit pas la politique. Bref, voilà, collectif, partager projet. Et ben surtout avec quelqu'un qu'on a rencontré il y a de ça, 3-4 mois. Salut Nico. Bonsoir. Ouais, faut se rapprocher du micro, Nico. T'as vu, en plus ça rime, c'est bien. Il nous avait déjà fait le coup la dernière fois. Ouais, il était long à approcher du micro, mais une fois qu'il le tenait, après il le lâchait plus quoi. Ça va? Ça va, merci à vous. Bienvenue à tous. Eh ben oui, mais à toutes. On sent que t'es ému. Waouh. On en parlait comme ça à la fin du passage de Sixto Fredo la dernière fois. C'était en septembre ou en octobre, je me souviens. Et tu me parlais de ton taf, justement, d'éducateur sportif. Et, en tout cas, c'est ce qui a marqué sur ton mail. Hein. Et que, justement, tu mettais en place un projet et qu'il y avait des choses qui se faisaient. Et ça me semblait un petit peu flou. Et puis finalement, on se retrouve là aujourd'hui. Pour présenter le projet. Exactement. Alors, pour un projet, ça fait partie d'une structure. Et la structure, c'est le collectif Partagé Projet. Et ça tombe bien parce que justement, on qui c'est qu'on a avec service, nous Maxime Romeuf. Salut Maxime. Salut. Comment vas-tu? Eh bien, plutôt bien. Alors, on en parle de ce projet. On a l'impression, c'est un peu comme dans Harry Potter, c'est celui dont on ne doit pas dire le nom. C'est pas ce que c'est finalement. Ça s'appelle la Fondation. C'est ça. Voilà. Et il y a des gars sûrs qui sont là, non? Ouais. Salut, bonjour. Comment tu t'appelles? Driss Akadov. Et pas Idriss. Et pas Idriss, merci. Non, mais... Et on a d'autres personnes aussi qui sont là. Hein, on va faire moi le tour. C'est Faridine. Ok, faites tourner les micros. Juste les micros. Bonsoir à tous, Disonesto. On ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas beatmaker. D'où tu viens. Ok, beatmaker pour un projet. Donc vous avez compris, on est dans une émission de rap, c'est un projet de rap. Alors Maxime, partage et projet. Des mots qui finalement semblent assez normaux dans la langue française, mais qui finalement au quotidien ne le sont pas forcément, hein, c'est ça? Ouais, pas forcément. Alors nous, c'est quand même notre cœur de métier. Pas de faire du rap, mais on est une association qui s'occupe des personnes en grande difficulté et en grande précarité. On est aujourd'hui 70 salariés. Et grosso modo, pour vous la faire courte, à peu près entre 350 et 400 personnes dorment chaque nuit dans des hébergements qui sont liés à notre association. À Clermont ou sur l'agglomération Clermont? Sur Clermont. Un petit peu sur Cournon, mais essentiellement sur Clermont. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont en première ligne avec le froid. Vous avez tous entendu parler. On a les maraudeurs là qui peut-être nous écoutent et qui sont en train justement de faire le tour de Clermont. Big up aux maraudeurs! Voilà, merci les maraudeurs, c'est vous qui avez froid. Et c'est on explique qui peut-être ce que c'est un maraudeur parce que des fois des gens ne savent pas ce que c'est. Alors les maraudeurs, c'est les personnes qui vont au plus près des personnes qui sont à la rue, qui sont là tous les soirs et qui du coup vont à la rencontre des personnes qui sont dehors et leur proposent des hébergements, des couvertures dans certains cas quand les personnes ne souhaitent pas aller sur les hébergements d'urgence. Et puis parfois tout simplement parler quoi, du lien voilà. Social. C'est ça, c'est essentiellement faire du lien et moi je leur dis souvent aller apporter un peu d'humanité, c'est surtout ça qui est important. Et alors? Et l'humanité c'est ce qu'on fait avec l'accueil de jour aussi, parce que le projet parle de l'accueil de jour et des animateurs de l'accueil de jour. L'accueil de jour, donc, c'est un lieu où chaque personne à Clermont-Ferrand peut venir se restaurer, prendre un café, alors je te, faire du lien social. Je vais te le dire 20-26 fois dans l'émission, mais dis-moi. L'adresse directe, à chaque fois que t'en parles, faut que tu te dises l'adresse pour que les gens sachent c'est où c'est. 12 rue Emilienne Goumi. C'est vers où? C'est du côté de la Maison des Sports. Voilà. C'est du côté de la Maison des Sports. C'est ouvert tous les jours du lundi au samedi. Pour vous donner une idée à peu près du nombre de personnes qui viennent, c'est entre 200 et 250 par jour. Et on sert en moyenne 190 repas tous les midis, c'est des repas chauds. Et dans tout ça, on a une équipe d'animateurs qui effectivement font plusieurs projets. D'abord un petit peu du sport et puis on a la chance d'être affilié à la Fondation Abbé Pierre qui organise chaque année une semaine à 7.
Alors une semaine à 7, la ville de Brassens. Hein. La ville de Brassens. Au soleil. Et quoi. Qui s'appelle C'est à toi d'ailleurs, cette semaine-là. Et dans cette semaine-là, les collègues ont rencontré Demi-Portion. Qui ? Demi-Portion. Qui ? Un petit rappeur. Un petit rappeur peu connu. Il y avait déjà aussi au sein de l'association et au sein de l'accueil de jour un projet MAO. Il y a eu ensuite un projet écriture et maintenant on se retrouve là et moi je vais la fermer et je vais leur laisser la parole parce que c'est eux qui gèrent ça maintenant. La graine a été plantée, tu viens d'arroser. C'est ça. Voilà. Et on va justement montrer que les fruits ont été récoltés ou sont en train d'être récoltés. Donc Nico, on parle sous contrôle de... C'est toi l'huissier un peu ce soir. Hein. Tout ce qu'a dit Maxime est vrai ? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, il a suivi. Juste Maxime, avant qu'on puisse te priver définitivement de micro, est-ce que tu peux nous dire justement un site internet, une adresse, des moyens de contact justement pour l'accueil de jour ? Alors, il y a tout sur internet concernant notre association, sur collectifpartagéprojet.org. Je regarde Julie qui est derrière moi, parce que des fois j'ai... mais ça se trouve vraiment maintenant très facilement. L'adresse, on t'a dit l'adresse. J'ai pas dit le Driss, j'ai dit l'adresse. Et l'adresse physique, c'est au 12 000 Rue. Moi, je prends une balle perdue comme ça. Voilà, c'est bien. Bon, c'est une balle à blanc. Hein. C'est au 12 Rue Emilienne Goumi. Et quand même, pour ce projet, tient vraiment à cœur à l'association. Parce que c'est pas notre cœur de métier, on découvre tout ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de soutien de la part de l'association, du collectif, et beaucoup de soutien de la part de la Fondation Abbé Pierre aussi, qui eux ont un peu plus l'habitude de ce genre de projet. Mais c'est quand même la première fois que ça va aussi loin, quoi. Les t-shirts, là, parce que c'est vrai que ça va loin. Là. Il nous aura donné des t-shirts, chers auditeurs, chers auditrices. C'est ça, auditrice, c'est la Fondation, c'est l'Abbé Pierre. Alors, la fondation, là, c'est Nico, là, qui reprend le mic. Les t-shirts, c'est Micro qui reprend le mic. C'est Micro qui reprend le Nico. Non, ouais, vas-y. Ouais, Nico. La fondation, c'est notre petit collectif. On savait pas trop comment s'appeler. Il nous fallait un nom et les frérots de 7 nous ont envoyé un petit message. Nous, on était de retour avec David sur l'autoroute et on a reçu un message de Fafa pour le nommer avec Patchouli et ils se reconnaîtront et en nous disant big les up. Gars ça serait bien que ouais big up ça serait bien que vous appeliez la fondation parce que bah ça fait solide ça vous représente et puis en plus derrière il y a l'abbé Pierre nous ça on en a parlé parce qu'on prend pas trop de décisions tout seul donc à chaque fois on en parle aux gars et ils ont validé. Ouais. Donc on est parti sur la fondation, bien évidemment on fait partie du collectif Partagé Projet, c'est de là que tout part. Donc c'est pour ça que vous avez ça au dos, collectif Partagé Projet, et la fondation Abbé Pierre, parce que ben, comme l'a dit Maxime, on est labellisé fondation Abbé Pierre. Et ça nous tient vraiment vraiment à cœur de faire les choses pour les plus démunis, pour les gens qui n'ont pas trop l'occasion d'être représentés. Ton téléphone est en train de niquer l'émission là. ça. Ouais, on t'a pas écouté jusque là. Il y a que Maxime qui a parlé. Et donc, bah, on va peut-être parler des rencontres. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est monté? Peut-être les gars, vous pouvez commencer à investir le mic et ouais, cette fois-ci ouais, carrément. Mettre les balles. Bah, je crois qu'en fait, c'est un lieu où on s'est tous retrouvés là-bas en fait, finalement. Et du coup, toutes nos passions communes se sont retrouvées dans ce lieu en fait, hein, fédérateur de tout ça, je crois. Donc voilà, la K-pop. Ouais, c'est ça, ouais, la K-pop, le rock, tout ça. Non, ouais, le rap, hein, qu'on avait tous un peu en commun, chacun de notre côté depuis pas mal de temps, et au final, du coup, on s'est retrouvés là-dessus tous ensemble. Eh ben oui, on peut même avoir d'autres témoignages, en rappelant peut-être les prénoms à chaque fois, parce qu'on n'a pas l'image, c'est la radio. C'est Faridine. Bah, ça m'est tombé dessus. Hein. Ça, d'accord, ça va, pas trop mal. Non, voilà. Ouais, c'est la fondation, c'est solide. On y va. Exactement. Je crois que je coupe, mais je crois que David, il a une petite anecdote. Allez, l'anecdote de David. Oh. Je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, sinon je sens il parlera que t'as il... plein d'anecdotes. Non, le point anecdote non, de David. Faridine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré moi, Nico, à son insu, du coup, parce qu'il était en train de poser dans la cour et j'ai eu l'oreille attentive. Du coup, j'ai dit, ouais, lui, il faut absolument qu'il vienne se greffer au groupe. C'était impossible qu'on puisse se passer de lui. Donc j'ai fait un retour à Nico et puis ça a matché. Alors, si je résume, on a un collectif, une association qui est là, un accueil de jour. On a des gars, des éducateurs
qui sont là aussi au quotidien, qui font des ateliers dans la structure. On a des gens qui fréquentent cette structure parce qu'ils en ont besoin à un moment de leur vie, qui aiment le peura et qui font des trucs. Alors là, c'est bien parce que il manque quand même un dernier truc aussi. Il y a des gens qui font aussi des instrus. Ouais, c'est sûr. Il va se présenter. Hein. Bonsoir, Dizonesto. Du coup, Nico, on se connaissait d'avant. Il m'a proposé le projet. Je suis venu un mercredi avec ma MPC Live et tu files en aiguille en faisant des instrus. Il y a plus de gens qui se sont greffés et aujourd'hui on en est arrivé là, voilà. Et un deuxième aussi. Ouais, salut, moi c'est. Je suis beatmaker du coup aussi, musicien, guitariste. Comment t'intitules-tu? Pardon? Tu t'intitules? Je m'intitule Grand Jeu, du coup c'est mon nom de musicien. J'ai été contacté par Nico sur la plateforme InstruRap, via la plateforme InstruRap, là où je vends du coup des instrus. M'a parlé du projet et puis bah le projet est particulièrement touchant quoi. Donc j'ai décidé de m'engager là-dedans, d'être bénévole sur le projet, de faire les instrus aussi avec les gars. Tu veux dire puis, que finalement t'as pas vendu? Finalement j'ai rien vendu mais j'ai beaucoup gagné tu vois au final parce que on commence à être un bon groupe, il y a une bonne entente, les projets qui vont voir le jour je pense qu'ils sont très prometteurs. On a des MC qui sont bourrés de talent. Et puis la précarité en fait en France, la misère ça touche tout le monde. C'est des situations dans lesquelles on aurait pu tous se retrouver au final. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de participer à ça. Et oui, c'est pas le froid qui tue hein. Non, non c'est la misère en fait. C'est la misère et puis c'est le capital hein. C'est le mais on nous dit qu'on ferait pas de politique. Ah, ah oui, mais qui prétend faire du rap sans prendre opposition. Non, mais c'est, ouais, c'est un excellent. On a dit qu'on n'enverrait pas de balle. Mais écoute, c'est un excellent carburant. C'est un excellent avant carburant. Avant de continuer et de développer un petit peu les rencontres et puis ben, toute cette jolie année qui s'est écoulée avec des rencontres que vous avez pu faire, je tease un peu, mais bon, ils sont allés à 7, ils ont vu des rappeurs, ils sont aussi montés à Paname, ils ont vu d'autres rappeurs. Oula, on le disait pas. Mais voilà, on va peut-être écouter justement un résultat de ce qui a pu être enregistré il y a pas longtemps, un premier morceau, les gars, ça vous dit? Ouais, carrément. Parce que comme me disait Driss tout à l'heure, ouais, c'est bien, on parle, mais au bout d'un moment, parce qu'à la fin, il y a le freestyle quand même aussi, ouais. Faut préciser. Hein. Il est chaud, tu sais, Driss, on va être obligé de se faire livrer par Ikea, quoi. Il va nous péter la chaise. Et ben, est-ce que vous avez un morceau parmi les trois qui pourrait être bien, là? Ben, on a vu, là, le premier. Alors, le premier morceau, c'est. Avec Mehdi et puis il y a Driss, ouais. Et c'est sur une prod de Dizonesto, donc Iclo, voilà. Et Mehdi qui n'est Mehdi pas qui est en train de travailler, qui est en train d'arriver, grosse force, il va Mehdi. Arriver, vous courage, on t'attend. On lui a se chauffer la voix, mais il arrive et voilà, ben bonne écoute, c'est notre première collaboration, on va dire notre premier son studio. Bonne écoute. Ma seule arme, la musique. T'as pas capté. Pour tous ces millions de jeunes. Et frangin, te dire que je suis un bandit, serait te mentir, même si c'est vrai. J'ai quelques encore à porter. Rien de bien gros, je te rassure. J'ai tenté l'aventure et côtoyé l'ordure. Frôler la bavure et effleurer le ravin. Aujourd'hui, je vis en paix. Apaiser les consciences. Redonner du souffle à ceux qui souffrent et qui sont seuls. Ma seule arme, la musique. Pour tous ces millions de jeunes. Pour tous ces gosses qui dorment dehors. Qui ont froid et qui encaissent. Pendant que certains flambent en caisse dans des trucs flambant neuf. Au final, l'école flambe et les politiciens en transe. L'État mène la danse et abandonne la jeunesse. Dialogue au CRS, c'est perdu d'avance et d'aide. Mais on reste solide, mobile, organisé. Si on veut, on maîtrise tout. On se fout de leur jugement. C'est le dernier qui doit compter. Donc là, ils ne seront pas la garde à l'au-delà. Y'a pas de loi. C'est le cœur et l'amour qui priment. J'en aurais des trucs à dire si j'étais au Sénat. Débat stérile depuis le Placata. Dans la foule on minimise. Corporation Didascali écrit anti-peu pour les honoraires. Frère, si t'as pas capté, les intérêts sont sur page 2. Dissimulés entre eux, vis et failles cachées. Entre dossiers et failles gâchées. Sous couvert d'oseille bien craché. Politique mal placée pour nous dicter le prix de la vie. Naga mal garé, d'un mec mal sapé, d'une femme apeurée, d'une sœur oubliée. Sans demander de l'aide à tes aïeux. Jamais rappé à la radio, toujours sourire radieux. Je crois pas en Dieu mais en moi. Ça c'est sûr fait réel. Mettre sur le dos de la misère, trouver ça rationnel. La mort en fond de commerce, ça me paraît démentiel. Si j'apportais la différence, est-ce que j'aurais de l'importance? Est-ce que ça serait important? Je viens de parler sans référence. Souvent je sais que je parais indifférent. Mais c'est dans l'indifférence que mes actes résonnent. Pas baraqué mais toujours dans la zone. Galère avec mes potes fantômes.
depuis que je suis môme déchiré au whisky d'Écosse. J'ai pas connecté les causes, à bassiner le contrat, on trie mon taf, on rame, on galère grave, alors qu'on doit des gros. Aujourd'hui je viens en paix, apaiser les consciences, refaisant le monde jusqu'au crépuscule. Des trucs à dire, si j'étais au Sénat, pour tous ces millions de jeunes, pour tous ces gosses qui dorment dehors. Au début le chemin paraît clean, puis le temps le salit. Tu te prépares du mieux que tu peux, t'es la pêcheur qui t'ensaligne. Mais le destin te surprend, aucun des chemins face à toi ne sont indiqués sur le plan. Aïe, les essais s'enchaînent, les erreurs aussi, le regard aussi. Pour réparer y'a pas de carrossier, tourne en rond comme dans carrousel. Le sang coulé, garrossette, on cautérise car on saigne. Apprenant ce que chaque jour enseigne, de la douleur la plus intense à la plus grande joie. Discussion profonde autour d'un joint de ganja, refaisant le monde jusqu'au crépuscule. À en boire bien plus qu'une, à en boire bien plus qu'une, hein. Les regrets sont pour plus tard, laissons place à l'instant. Pas doué pour les schémas, j'avance à l'instinct. Quand la peine s'installe, quotidien devient instable. Fais monter le manomètre, à se battre pour ne jamais voir les baromètres. Une vision approximative, l'enfance a senti la tise. Quand les billets manquent, le mal attise, le manque de maille attriste. Face au mic, j'en du rêve, sache que j'ai peaufiné mon art, tout en espérant déconfiner mon âme. Le décor est sombre, pile on fait décoller les salles, sous piave, les mauvais souvenirs deviennent méconnaissables. Ça s'écoule vite dans le sablier, pas le temps de se morfondre. Sous la chaleur de mes phases, je veux voir les corps fondre. Hey. De la douleur la plus intense à la plus grande joie. Discussion profonde autour d'un joint de ganja. Vous écoutez Radio Campus 93.3. Bah faites-moi un maximum de bordel. Ouais. Non, ils sont trop timides. Ils aiment pas ce qu'ils ont fait. Toujours dans les rapporteurs 93.3 FM, 21h18. Et on vient d'écouter la fondation et le nom du morceau. C'est maquette numéro 1. Maquette numéro 2. On remercie Ariès. Ariès, si tu nous écoutes à Bordeaux, merci DJ. Beaucoup pour les scratchs. Merci beaucoup. C'était du lourd. Alors, comment vous êtes retrouvé avec Ariès? Ah, monsieur Ariès, on se connaît depuis presque 20 ans sur d'anciens projets musique. On était un peu plus jeunes et j'avais toujours gardé DJ Ariès dans un coin de ma tête. Et je savais que sur ce projet, j'espérais qu'il accepterait de travailler avec nous, c'est ce qu'il a fait. Et alors, faute de temps, il n'est pas toujours avec nous, mais en tout cas, grâce à Internet, il arrive à sublimer, en tout cas, si j'ai envie de dire ce qu'on fait, ça fait plaisir d'avoir Ariès. Il était militant il y a une petite vingtaine d'années. Il est encore, je crois. Toujours, hein. Ouais. On reste toujours militant. On est sur du boom bap là. On suit pas la mode de l'époque, quoi. Ouais, je crois. Hein. Je crois. Ouais, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Les bases du rap, on a tous commencé par ça, je crois. C'était un peu aussi le thème du plan. Ouais, pardon. Désolé, je me nomme pas. Mais c'est le manque d'habitude, ça. Non, mais ouais, voilà. On apprécie ce monde du rap qui n'est plus à l'actualité aujourd'hui. Mais je crois que c'est bien de revenir aux bases de temps en temps aussi. Hein. Ouais, mais là, c'est travailler avec une bonne énergie aussi, en ouais. plus. Ça, du coup, c'est... Ouais, ouais. Bah merci, oui, c'est Dishonesto, celui qui a fait l'instru, du coup, bravo, bravo. Non, franchement, ouais, bonne énergie. Hein, ouais, parce que ouais, après, même si on n'est pas forcément dans la tendance avec le boom bap, c'est toujours dans la bonne direction. Jamais dans la tendance. C'est vrai que le boom bap, c'est une saveur particulière et en vrai, on pourrait jamais s'en passer, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, c'est comme le café le matin, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Vite par matin. Peut-être quand vous avez vu les instrus débarquer, quand vous les avez écoutés, vous en avez pensé quoi? Vous avez communiqué ensemble, vous vous êtes retrouvés pour voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est les textes qui sont venus d'abord, c'est toujours les mêmes questions, quoi. Mais que ça a toujours été comme ça, mais il fallait juste qu'on se rencontre en fin de compte, c'est tout. Parce que on sait qu'on n'est pas. On a posé des sons et c'est venu tout seul. C'est comme si on s'est mis d'accord, on écrit un sujet. Mais avant ça, chacun... C'est venu comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre. Des ressentis, des choses qu'on gardait pour soi. Et là, ça y est, une occasion. Tac. Non, en fin de compte, je pense que tout le monde faisait du rap, mais de son côté. Ouais. Mais là, c'est le fait de se réunir, de fonder quelque chose. D'où fondation, je pense.
Ça aussi, c'est quelque chose à l'ancienne. Il m'a piqué ma vanne. Ce côté collectif, c'est quelque chose à l'ancienne. C'est, dans le rap, ouais, aussi, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est les bases. C'est la fondation, c'est la base. Tu construis une maison, il n'y a pas de fondation, ben elle s'écroule comme un château de cartes. Oui, effectivement. Ouais, Et alors, justement, parce que c'est pas un atelier qui a commencé il y a trois semaines et qui continue. Quand est-ce que ça a commencé vraiment? Il y a deux ans, on avait commencé à en parler, ça nous avait gratouillé avec Loïc. Mais à l'époque, on n'avait pas le même accueil de jour. C'est-à-dire qu'on a un accueil de jour depuis, je crois, Maxime, le 20 janvier 2023, qui est tout neuf. C'est ça. Maxime a transgressé la règle, il n'avait plus le droit de parler. Ah, pardon, okay. Mais Nico m'a attendu. Oui. Ouais, oh. Effectivement, on a eu la chance d'avoir une énorme rénovation. À l'adresse au 12 rue Emilienne Goumi. Donc toujours au 12 rue Emilienne Goumi, nous avons une super rénovation qui permet aussi d'avoir accès à ces projets-là. Alors qu'avant, c'était impensable. On était dans un... Là où les collègues qui font les domiciliations, Pascal, Charlotte, Thibault d'ailleurs, on leur fait un coucou, Samy et tout ça. Toute notre équipe de l'accueil de jour, la Dream Team. Je fais les bruitages. Hein. Voilà, et tous les collègues du collectif, tant que la perche... Ça fait beaucoup de bisous. Tendu, ouais, ça fait beaucoup de bisous, on est 70. mais en tout cas, voilà, on a comment... Après, on a même Philippe, notre collègue du courrier, qui a été... On lui a pris son Algeco, du coup on a gratté quelques textes, puis après on a arrêté suite à la rénovation, et puis après on a repris, je crois qu'au mois de janvier 2023, l'accueil de jour était inauguré, et je crois qu'au mois de mars, on était déjà, mars-avril, en train de faire... Driss, il veut pas parler, il veut pas... Non, j'étais pas encore là, je me suis greffé après sur l'atelier en fait. Il était en saison, Driss, donc on communiquait via WhatsApp, et il est arrivé. D'accord. Et alors les premiers textes, parce que on va revenir justement au festival qui a lieu à 7 de demi-paix, quoi. Comment ça s'est fait? Parce que là, on a parlé des contacts avec DJ Ariès et avec demi-paix alors. Avec demi-portion, j'avais échangé mais il y a très longtemps avec lui sur MySpace, pour ceux qui connaissent MySpace, donc là vous savez. Ah, mais c'est vieux Nico en fait. Je suis vieux. Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'il s'est souvenu de toi aussi du coup. étant donné qu'on était à 7 avec David, on travaillait un peu sur le copilotage des activités de 7 à toi, comme disait tout à l'heure Maxime, et on cherchait un artiste, enfin il voulait un peu dynamiser le séjour de 7, et on a envoyé un message à Rachid, on s'est rencontré avec son équipe, et en fait on a accroché. Donc le lendemain on s'est revus, on a fait un match de foot ensemble. Il est venu jouer d'ailleurs pour la Fondation Abbé Pierre. Il a failli se faire casser les jambes le pauvre sur un match de foot, mais en tout cas voilà, ils sont venus jouer au foot. Et l'année d'après on s'est revus, sauf qu'il est venu faire un petit concert improvisé. Il a débarqué avec son enceinte, son micro, et il a régalé tout le monde. Voilà. Et donc du coup open mic, et en fait du coup on s'est régalé, il y en a compris le micro, et c'est là où les gens de la Fondation Abbé Pierre, Patrick et Mélanie qui travaillent pour la Fondation, nous on a échangé sur le projet MAO, et ils nous ont dit ça serait bien de pousser un peu plus le truc. C'est un peu le truc fondateur. Moi, j'aime bien, tu sais, les trucs qu'ils disent dans les matchs de foot ou les compétitions. Ouais, ce match-là, c'est là où on a senti qu'il y avait vraiment un esprit d'équipe, qu'il y avait vraiment un truc qui allait se faire. C'est un peu là. C'est la chanson 13 d'Ayam. Ouais, vous leur avez fait bouger la tête, et du coup, du coup là, ça y est, ils se sont dit bon, vas-y, maintenant, on écoute ce que vous avez à dire sur le projet. Nous, ça c'était dans un coin de nos têtes, mais le soir, on a poursuivi nous à l'Olivier. C'est le repère là-bas, à 7. Et du coup, à l'Olivier, la demi-équipe, j'ai envie de dire, même si c'est une équipe entière, mais la demi-équipe, elle nous a dit ouais, les gars, on vous suit, il faut faire le truc, il y a plein de gens à représenter, on vous aide, on dynamise le truc. Et donc après, on a échangé avec les gars, mais on pensait pas vraiment se retrouver là avec vous ce soir et vivre tout ça aussi. Hein. Et on a tous une question, est-ce que demi-portion est bon en foot? Et oui, parce que franchement, on parle souvent de Bob Marley qui faisait du foot, machin. C'est pas qu'un demi-talent, il est très très fort. D'accord. Ouais. Oui, David. L'anecdote de David. Je t'en prie, David, vas-y. L'anecdote de David. Non, pour le coup, aucune anecdote. Il n'y avait pas la VAR et tout pour voir s'il y avait faute ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Non. Ouais. Bon, on peut commencer peut-être, parce que le freestyle se rapproche, hein, mine de rien. Hein. On peut commencer peut-être aussi à s'écouter un deuxième morceau pour voir. Ouais. Le Maquette 2. Maquette 2. Maquette 2, c'est pas mal. Hein. Maquette 2, là, vous allez avoir la chance de découvrir Farudin.
Comment il s'appelait le premier, on avait dit déjà? Maquette 1. Ah, Maquette 1. Non, c'était pas Zla. Bon, 12 000 Mylène Goumi. Ça fait un peu nombre de boîtes de nuit, c'est de 5 heures du mat. C'est, on va voir Maquette 2. On verra, pour l'instant, on n'a pas pensé au titre. Et alors, Maquette 2, il y a qui dessus? Maquette 2, il y a Driss qui va nous faire un sacré refrain. Une prod Andalousia signée. Ouais, c'est Grand moi à la prod, Grand Jeu, toujours, on redonne l'adresse, non? Non, c'est pas toi l'adresse, hein, c'est Max. Ouais, hein. Je commence à mélanger, et puis quand il y a des guitares, c'est moi en général, ouais. Yes, donc tu fais de la gratte aussi? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc c'est bien, ça fait acoustique, des prods classique. Avec des cordes en nylon, yes. J'aime bien la musique brésilienne, donc voilà, c'est... Un peu de bossa aussi? Un peu de bossa, carrément, moi je... On va se parler après. Ouais, ça va. Tous les deux guitaristes, c'est bien. Et ben yes, on reste dans les rapporteurs, 21h25. Maquette 2, la fondation, ensemble jusqu'à 22h. C'est pas une clip de Madonna, je zigzag Maradona. Avant y'avait des hommes, aujourd'hui c'est Maldon. Si je rappe, il faut pas que tu t'étonnes. Je suis le cinquième des Dalton, je zone, ma voix résonne. Dans ma cellule, je compose, invasion sur feuille blanche. J'expose ma vision loin, loin de la Maison Blanche. Par la connaissance d'une cause. Un noble cause en tant que magicien dose. Aucune porte ne reste close, je pose mes séquelles sur une bonne dose. Pas d'éjecte ni pose, c'est mon overdose. Homme de lettres, retour de l'œuvre à naître. Je rassemble mes dernières forces, objectif, rime féroce. Et si être élevé, donc je suis et je reste un soldat. Mao réduit, pop dévoué, mauvaise mine. Je contiens la rage qui m'anime, non, pas fâché une victime. J'étais un soldat des crimes. Chaque matin comme nouvel espoir, qu'il te laisse croire. Le tout en te disant que tu connais l'histoire. Savoure chaque seconde quand le diable se monte pas. À chaque mesure de ce monde, chaque matin comme nouvel espoir, qu'il te laisse croire. Le tout en te disant que tu connais l'histoire. Savoure chaque seconde quand le diable se monte pas. À chaque mesure de ce monde, je pars. Allez viens, je t'emmène près du cœur, loin des liasses, loin des villes, près des plages, loin des tox et des tasses, de leur gueule, de leur guerre, de leur calache et de leur flaque, de sang, de leur plaque, d'agents quitter la France depuis longtemps, c'est ce qu'on veut tous, finir nos vies là où nos pères ont commencé les leurs, là où des mères ont déversé des pleurs. La vie parfaite, on la veut, et on se la fait à notre façon, en ermite sous les millions, ou sous les au Saint-Émilion. Sur mon île, y'aura pas de vol, y'aura pas de viol, y'aura pas de col, y'aura pas de drame, vite y'aura pas de cam, pas de vis, pas de vis. Juste des frères calmes, se tenant tous droits, tous frais, tous sincères, pas de sincère, on sort, mais au sein on se confie. Loin des contes de fées, des filles, et des fouilles musclées, des flics. Je m'écarte des complices, des combines et des flags. Frangin, frangine, je vous emmène loin de tout ça. Vous emmène loin de tout ça, vous emmène loin de tout ça. Chaque matin comme nouvel espoir, qu'il te laisse croire. Le doute en te disant que tu connais l'histoire. Savoure chaque seconde quand le diable se monte pas. À chaque mesure de ce monde, chaque matin comme nouvel espoir, qu'il te laisse croire. Le doute en te disant que tu connais l'histoire. Savoure chaque seconde quand le diable se monte pas. À chaque mesure de ce monde, j'pars. Toi mais tu sais. Les rappeurs à France 2 qui n'arrivent pas à faire passer le message. Celle-ci c'est pour les rapporteurs. Radio Campus, Klesmo, Secret Connexion. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Regarde à quoi ressemble la vie d'un toxico. Y'a pas le moral. À 10h30, toujours le rapporteur 93.3 FM. Hein, vous n'oubliez pas le Spotify et puis bien sûr le campus-clermont.net pour écouter l'émission ou avoir des sonneries de portable intempestives. C'était voilà. Le feu cette maquette 2 là. Ouais, cette maquette 2. Et tu sais quoi, on va peut-être donner une anecdote perso, Flo, pour le collectif La Fondation. C'est qu'on a passé le réveillon ensemble et t'avais mis une playlist IAM, FF, tout qui était branché bien Marseille. Et à un moment, justement, j'ai mis les morceaux que David m'avait envoyé.
renvoyé, il m'en avait envoyé un ou deux. J'ai dit ouais, j'avais perdu mon portable était cassé. Il m'a renvoyé les morceaux et j'en ai mis un ou deux. Et t'as mis, hey, mais c'est quoi ça et tout, c'est bien Marseille et tout, mais on dit c'est pas la FF, c'est pas IAM, c'est pas les psychiatres, etc. Tout ça. Et on cherchait. Et enfin, je te laissais chercher tout ça. Et tu dis, bah c'est le bâtard. Donc tu vois, c'est il y a du niveau. Quand et même. Après non, mais après il a noyé le poisson, il est parti sur autre chose quand j'ai commencé un peu trop le questionner quoi. Du coup, j'ai jamais eu le fin mot de cette histoire, mais je l'ai ce soir du coup. Eh ben voilà, tu vois, il y a et pas ouais, c'est Faradine qui nous amène ce magnifique accent du sud. Mais c'est maquette quoi alors que tu m'as mis alors. Il y a combien de maquettes d'ailleurs? Il y a combien de Il y en a 3. Il y en a 4 mais il y a les enfants du collectif. Mais elle n'est pas encore finie de mixer la maquette. Ça, c'est vraiment. Vous n'avez pas encore fini les gosses, quoi. Non, c'est. Trop de vannes. La 3 ? Non, on est bien. Vous avez même pas dit bonjour à Mehdi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, prête ton micro un peu. Salut tout le monde. Salut Mehdi. Alors, c'était bien ce tram ? Galère, l'intérim. Ouais, ben le meilleur tram de France, on disait sur pneu, hein. Putain, c'est. Au moins t'es là, donc là c'est bon. On est au Nico, complet, je crois. Vous êtes au complet. 1, 2, 3. Les beatmakers, enfin les beatmakers. Comment on dit ouais, les beatmakers, tout ça. Pour le coup, là, la maquette qui arrive, c'est une instru d'un autre beatmaker qui est aussi sur le projet, qui s'appelle Cléon, il me semble. Ah bah tiens un inconnu, mais tu peux nous le présenter. Ouais. Voilà, bon, bah, merci Cléon. On lui passe le big up avec son album là, qui est sorti hein, justement. Cléon vient de sortir un album. Non, c'était pour te tester, c'est pour voir si tu vais. Non, il est toujours sur les bons coups quoi. En ce moment, il bosse pas mal quoi. Mais je crois qu'il y a une belle date d'ailleurs de Cléon hein, qui s'annonce à la Copée. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il première a annoncé partie ça. D'IAM, hein. Ouais, première partie d'IAM, mais le moment où il a fait l'annonce, c'était déjà complet en fait. De quoi bien mettre les glandes, mais voilà, bah respect quand même, félicitations à lui. Alors Mehdi. Toi aussi, on a eu un peu les histoires de comment Driss, excuse-moi, redis-moi le prénom. C'est Faridine. Faridine, sont rentrés sur le projet. Et toi, Mehdi, alors comment t'es rentré sur le projet, la fondation? Avec un projet MAO, c'était comme ça par hasard en vrai. T'avais de la lumière qui rentrait sur la musique, petit projet MAO, j'ai dit ah ouais, je kifferais trop être là-dedans parce que la musique c'est mon truc, j'adore. Et j'ai dit bah vas-y, je fonce. Puis de fil en aiguille, ça découle sur un truc de ouf quoi. Qui peut finir bien plus loin que ce qu'on pensait quoi, donc c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Alors on peut maintenant, on avait commencé au 1er janvier 2023 avec la rénovation de justement l'accueil des jours qui se situe au 12 rue Émilienne Goumi. Merci Maxime. Voilà, les premiers concerts, demi P, le match de foot, le petit voyage à 7. Et alors ensuite, Nico, tu peux nous faire un petit peu la chronologie. Ouais, alors là, on avait fait une petite pause, il y avait les fêtes, on voulait aussi avec nous, notre chef de service, avec David et notre direction, on va poser un petit peu les choses, voir comment ça évolue, parce que ça évolue très très vite. Donc du coup, on a besoin d'aide, et on a besoin de conseils, enfin voilà, on va poser un peu tout ça. De l'autre côté, on a des rendez-vous sur 7. On a un rendez-vous du 4 au 9 mars pour une semaine de résidence, avec une restitution de salle, donc un concert à 7 à la Passerelle, qui est un lieu de spectacle. Tout ça s'est mis en place par la demi-équipe, donc Patchouli, Fafa, Nono, Trix, Mcash, Tonton Bachir, donc tous ces gens-là qui sont sur 7 et qui travaillent sur notre projet, qui sont prêts à nous accueillir sur 7 pendant 35 heures de studio. Donc ça c'est énorme. 5 x 7, 35. Voilà, ensuite il va y avoir des surprises, mais après j'aimerais les enfin voilà, il y a d'autres artistes qui sont invités, mais on va peut-être pas en parler tout de suite. Ouais, mais ça c'est le milieu du rap, c'est ouais, il y a un truc, mais je peux pas en parler tout non, de suite. Non, c'est hein. Vrai, c'est vrai, non, parce que chronologiquement déjà on est un peu bloqué, il y a demi-P à force à lui et à toute sa famille, mais en ce moment il a une petite dureté au niveau de sa famille, du coup ça, même lui au niveau de ses concerts, c'est difficile, il a annulé une date là, dernièrement. Donc on veut pas mettre la pression avec notre projet. Mais j'ai cru entendre parler d'un voyage à Paris aussi exactement. Qui a été évoqué. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Fianso. Alors c'était avec la fondation Abbé Pierre. On a été invité pour le festival de la nuit du rap. La nuit de la rue. La nuit de la rue. Exactement. C'était le 15 et 16 décembre, c'est ça. Et donc il y avait c'était deux jours de festival. Nous on n'a pas assisté aux deux jours. On a vu Fianso, il y avait Black M, on a vu Doria, mais aussi ouais, Arsenic. Voilà, on a pu échanger sur notre projet aussi, donc avec... Ça va les gars, tranquille ouais.
Sonic, c'était mais surtout, on a fait une belle rencontre quand même, les gars. Faut oublier qu'on était. On a fait une scred rencontre. Couper la parole à Nico, on est vraiment. On est passé voir pour les rencontres, faut y aller. La scred boutique. On a été accueillis par Mokless. Gros big up à Mokless, ouais. Donc, merci de l'accueil. Et puis, force à la scred parce que c'est le rap indé qu'on aime. Et puis on l'a entendu juste avant là, vous aussi apparemment vous l'appréciez. Il était passé au Raymond Bar il y a de ça une petite dizaine d'années et on y était allé tous les trois d'ailleurs si je me souviens bien. Ouais, l'interview la plus lunaire de toute notre carrière quoi. En fait on s'est posé et on a fait soirée avec lui quoi, avec le dictaphone au milieu de la table comme ça et... On a toujours galéré à monter du coup les discussions qu'on a pu avoir. Parce qu'en fait on est arrivé, salut, on fait une interview. Oh attendez, posez-vous les gars, il a posé une bouteille. Tac, installez-vous. Et il nous a tellement mis bien en fait que du coup c'est parti sur une discussion de une soirée quoi. Ouais, bah, c'est bouteille, ça qui compte. Et donc ensuite sur ces trois jours, sur ces deux jours de festival que vous n'avez pas fait forcément en entier, après vous êtes quand même revenu à Clermont puisque vous êtes là ce soir. Ouais. Ouais. Non, et puis ça a permis de souder l'équipe. Voilà, il y a WhatsApp, Driss il fait les saisons, Johan il habite entre Toulon et l'Ardèche. Là, je vous dis, il va faire 800 bornes ce soir pour une heure de radio. Donc, Donc, ça a permis de souder l'équipe. Il a fait 400 km aller et il va faire 400 km retour. 400 plus 400. Moi, je suis pas allé à l'école. T'es allé à l'école de la musique, c'est la plus importante. Ça a permis de souder l'équipe, tu vois. Et même David, qui est pas forcément dans le délire rap ou musique, dans cette activité, il a plein d'idées. Tu veux dire David David. David, lui, là. Ouais, je suis sûr qu'il a une anecdote. T'as une anecdote d'ailleurs sur l'anecdote de David. L'anecdote. Il a plein d'idées, plein de bonnes idées. Pour sans chaud. Une anecdote, peut-être qu'il y aura quelques dates avec quelques boutiques et pensions de famille. Peut-être qu'on va aller se représenter un petit peu là-bas. Voilà, à voir avec la direction, à valider. C'est validé. Nous, on le valide dans les rapporteurs, 21h37. On approche bientôt de l'échéance, justement. Vous avez ramené quelques petites instrus pour vous mettre bien. Tu peux juste nous détailler un petit peu sur le... Parce que quand on s'est eu au téléphone ou par WhatsApp, nous aussi, tu m'as dit « Ouais, non mais tranquille, hein, t'inquiète, après, vous pouvez mettre aussi des instrus, mais nous, on s'adapte aussi. » Alors, mais... c'est comme vous voulez, franchement. Si vous voulez balancer vos instrus, vous balancez vos instrus. Après nous on a ramené 4 petites prods tranquilles, si vous voulez allez-y. La prod, la première c'est une petite prod, une phase B. La deuxième c'est qu'on avait choisi, je crois que c'était Brahms, l'insatiable. Et la troisième c'était un petit peu trap, ouais. 130 BPM. Et la quatrième une petite traponnette. Ouais exactement, pour être dans la tendance au moins une fois. Ils ont bien travaillé. On voulait finir avec une prod qui nous semblait bien et pertinente, c'était Ghetto People. Et en tout cas parce que je crois qu'il y a 17 ou enfin il y a même une quinzaine d'années, voire 17 ans je crois, qui avait eu un projet qui s'appelait Ghetto People et il y avait pas mal de rappeurs qui avaient fait ce genre de projet et la prod elle était vraiment vraiment magique et du coup on a décidé de reprendre cette prod ce soir. Est-ce que le temps qui se met en place, on écoute le troisième, la maquette 3, je maquette crois 3. Que c'est ça Maquette 3, maquette c'est 3, ça. Comment tu le sais ? On n'a pas envoyé pour, on n'a pas envoyé pour. C'est parce que je suis la technique, alors du coup, je vois les noms. Et t'as vu, tu sais, c'est le maître du temps, c'est comme on dans on va récompenser leur devoir, on va prendre leur selecta, je pense. Alors c'est qui rappe sur cette maquette 3 ? La maquette 3. Magnifique Nico, avec magnifique Mehdi et moi, Driss. Ah mais toi t'es juste Driss, les autres sont magnifiques, toi t'es... Ouais, Driss il fait le refrain, attention Driss. On est magnifique comme groupe moi je trouve, hein, donc Driss il chante, là il rappe pas, et la prod, merci Cléon. Et l'anecdote de David, c'est qu'il ramène le coca à... Et le jus d'orange quoi, le nectar d'orange, voilà. C'est magnifique. Et ça c'est un nectar pour les oreilles, toujours le rapporteur, la fondation, maquette 3, on est ensemble jusqu'à 22h. Et peut-être un petit peu plus. À ce qui paraît qu'à l'époque il y avait du sens dans ce qu'on faisait. À ce qui paraît qu'à l'époque il y avait le message dans ce qu'on disait. Entre nous c'était lié, entre frères c'était vrai. Nostalgique de l'épopée, paraît que le style était frais. L'effort d'épée était fait, les thèmes étaient forts. La forme était folle, la toile était ferme, ouais. La rage est intacte, la voix un peu grasse. Sur la flèche des gueules, des rimes, des faces, pas toujours classe. Hommage aux vaillants qui tentent, amour à nos proches qui morfent. À la vie, à la mort, et amour à la vie. Hommage à nos morts qui manquent, dommage que les grands s'allument. Carnage quand les petits se terminent, trop de deuil dans les familles. Trop de mères en pleurs, de jeunes dans les geôles. De gens qu'on isole, on n'oublie pas leur chimie camisole. Ils ont le pouvoir de briser un homme s'ils ne rentrent pas dans leur case. L'acte et la parole résonnent, le mélange dérange. À ce qui paraît qu'à l'époque, mourir vieux on pouvait. Jouer au foot jusqu'à tard le soir sans souci. 1000 promesses, 10 000 souvenirs.
qui paraît qu'il y avait moins d'armes dans le jean de Cam, dans le zen, moins de frères dans le mal. À ce qui paraît qu'à l'époque la parole valait de l'or et que grâce à elle on pouvait mesurer un homme. On a perdu nos yeux de môme, égaré nos rêves dans ce jeu de rôle. Prends-le au premier degré, y'a rien de drôle. Des bâtiments en guise d'horizon, de la cave au béton. Je regarde par le balcon tous les soirs, je vois des gros macros. J'en ai ma claque comme les mythos de Macron. Non, j'ai pas de don, je veux pas finir là-dedans. Des bâtiments en guise d'horizon, de la cave au béton. Je regarde par le balcon tous les soirs, je vois des gros macros. J'en ai ma claque comme les mythos de Macron. Non, j'ai pas de don, je veux pas finir là-dedans. Je raconte ma Yves, 29 piges, une âme errant sur le bord de la rive, avec la coche m'enivre. J'ai le mal de vivre, passé morbide affirmatif. Je m'en bats les couilles des futilités fautives. Ou pas, je me suis engrainé dans des délires d'alcool flingué avec mes potos la plupart. Derrière les barreaux, on avait les gros fils de dealer ou ouvrier. Passez pas ça, pas si facile. Pour un smic d'aller se tuer, toute une vie à travailler, je trouve ça stupide. Lève-toi, sois libre. Ou bien matérialise, trop à trip en perspective. Tu mets des gifs, ça me réanime, merci ma petite pour ta franchise. Je démarque sur le beat vénère. Des rimes et des verres contre l'insomnie. Des fois j'ai du flow quand j'ai ma cuite et que je suis cuit. Ça y est, je me barre, nouveau départ, fonce comme un guépard. Ouais, j'ai la rage en moi et je viens d'en bas. Des bâtiments en guise d'horizon, de la cave au béton. Je regarde par le balcon tous les soirs, je vois des gros macros. J'en ai ma claque comme les mythos de Macron. Non, j'ai pas de don, je veux pas finir là-dedans. Des bâtiments en guise d'horizon, de la cave au béton. Je regarde par le balcon tous les soirs, je vois des gros macros. J'en ai ma claque comme les mythos de Macron. Non, j'ai pas de don, je veux pas finir là-dedans. Une plume agressive, à tel point qu'une virgule te marque l'esprit. Rime facile et prose précise constitue ma prophétie. Les défauts se volatilent comme une tache sur la vomatique. Forme olympique, un flow rapide, un fond limpide. Ou dépourvu de tout sens, la limite de l'indécence. L'inspiration pleine d'essence, y'a des barrettes en guise d'essence. La relève de dormes sont, même si je suis pas le premier. Je vais m'occuper de ces canassons, tel un palefrenier. Ils se plaignent du retard qu'ils ont pris, mais ne pensent qu'à buller. Quand j'affûte mon vocabulaire jusqu'à plus d'air, quelques notes, juste un peu d'herbe. Et c'est l'escapade, tu souhaites me tester ou tu penses simplement en être capable. Perso, j'en ai rien à foutre, je suis venu pour cracher la foudre, pas gratter la foule. Pour la première place et ses applauses, on a commencé entre reufs, enchaînant les packs de 24 et les impros. Le beat, on lui faisait sa peau, ensemble comme de vrais apôtres. Des bâtiments en guise d'horizon, de la cave au béton. Je regarde par le balcon tous les soirs, je vois des gros macros. J'en ai ma claque comme les mythos de Macron. Non, j'ai pas de don, je veux pas finir là-dedans. Des bâtiments en guise d'horizon, de la cave au béton. Je regarde par le balcon tous les soirs, je vois des gros macros. J'en ai ma claque comme les mythos de Macron. Non, j'ai pas de don, je veux pas finir là-dedans. Maquette 3. Ouais. Bravo. La Fondation, collectif partagé projet, 12 rue Emilien Goumi. Alors la Fondation, est-ce qu'il y a, un truc à part justement, est-ce qu'il y a un bandcamp ou un petit truc comme ça où on peut retrouver les sons pour l'instant, ou un projet d'album, ou des choses, oulala, trop de questions. vous pouvez suivre un peu l'aventure via l'Instagram du collectif partagé projet. Également sur la fondation officielle sur Instagram, qui est en lien directement avec le collectif, avec la fondation Abbé Pierre. Vous retrouverez des freestyles, des petites photos de nos voyages, et par contre les sons, on va les garder encore pour nous parce que c'est des maquettes. Voilà, voilà. Ben oui, et les maquettes, ça se fait avec précision, exactement. Bon, assez parlé. Money time. Voilà, le dernier quart d'heure, il est pour vous les gars. Je crois. Faites-vous plaisir. Et ben c'est parti. Dans les rapporteurs, on reçoit la fondation ce soir, c'est le 11 janvier 2024, premier freestyle de l'année, les gars. La fondation, c'est vous qui ouvrez. C'est pour la fondation. Oui, oui. Ok, la fondation. C'est pour la fondation. Yo. Depuis ce 1er juin, la famille s'est agrandie. Moi aussi, j'ai grandi, hélas, les problèmes aussi. Mais dans un coin de ma tête, tout est fragile. La vie est argile, il suffit pas d'être agile. Loin de mon île, 976, je représente la pensée néante. Ce système est oppressant. J'ai vu le mal à l'état puis rire, les empêchant de sourire. Le pire, c'est la folie des hommes. Mec, faut qu'on les désarme. Les mains en l'air, de quoi t'as l'air. Dans un film de dollars, l'histoire est livre de dollars assis sur un banc.
La tête vers le bitume, les poches trouées, pas une chine. Ses pensées vers l'estomac, c'est la galère. Une descente aux enfers, se passe mal ses affaires. Plus de salaire, il paye cher. L'infection, un manque d'affection. Ses conneries en érection, n'a aucune direction. Je démarre sur le centre, toujours un peu d'égo. C'est ça les gars, y'a pas de recette miracle. La musique comme un mirage démarre. Au kick dernier virage, j'ai la rage comme un putain venu en cache. Deux trois images en tête, comme l'impression que je suis inapte à vivre sans idée concrète. Mon cerveau j'abat, dernier trépas, pas dans la marche, prends large et les larmes j'évite. Pour éviter les larmes, suspicion, j'esquive le plan de bas, je fais vite. J'suis en place, j'suis vif, y'a pas de mal, j'suis pas guidé, j'prends large. Et j'me rends compte, j'prends de l'âge. Bébé, ouais, j'raconte ma hive, j'aimerais bien écrire un livre. Tu sais, j'ai même pas le bac, rien à battre. J'manie les mots comme un dilo qui vendrait de la morora au gosse. Triste époque, socialo, jamais réciproque. J'en pas de la pure, même si j'viens de la hure. Un pote est mort, justice jamais à l'heure. Alors, pourquoi respecter leur loi infecte? J'meurs comme est mort, mais mort. C'est vrai que c'est gore quand t'as 29 balais, que t'as connu 29 décès. Je sais, c'est chaud, souvent j'suis saoul. J'me dis qu'il faut que ça cesse le speed. La cesse, j'suis dans mon délire un peu sale. Quand j'suis tout seul, y'a que ma bouteille qui me trahira jamais, mec. Y'a que ma bouteille qui me trahira jamais. Ouais, ouais, mec. La fondation. Ouais, la fondation officielle. Même pas quart de siècle, déjà la plume balafre et les faces fusent. J'essaie d'éclairer la route même si les phares s'usent. On fait pas ça pour que les femmes sucent le shit, fument le shit. Pour calmer les nerfs, on va garder les mêmes. Ref, une bande de barges qui prend le large à chaque strophe. À chaque catastrophe, on prend de l'âge. La dalle s'intensifie, donc les crocs se montrent. Même si le bonheur se trouve ailleurs que dans une grosse montre. Mollet saillant, prêt à gravir les plus hauts sommets. Si la porte ne s'ouvre pas, c'est que tu n'as pas su où sonner. On esquive tous les obstacles pendant que les autres stagnent. Attendant le déluge ou l'apocalypse, donc apprécie la. Proscali, j'écrirai jusqu'à m'en péter les phalanges. J'arrête le poste qu'à vivre, on pense qu'à vivre, à savourer l'instant. Mais l'instru, qu'on se la fasse dans tous les sens, en toute aisance. On le travaille tous les jours, donc le talent, doutez-en. Allez, viens, je t'emmène près du cœur, loin des liasses, loin des villes, près des plages, loin des tox et des tasses. De leur gueule, de leur guerre, de leur calache et de leur flaque, de sang, de leur plaque, d'agents quitter la France. Depuis longtemps, c'est ce qu'on veut tous, finir nos vies là où nos pères ont commencé les leurs, là où des mères ont déversé des pleurs. La vie parfaite, on la veut et on se la fait à notre façon. On est remis sous les millions ou sous les... Au Saint-Émilion. Ok, la Fondation 93.3, Radio Campus. Ok, ça fait... Moi ouais, c'est Nyx. Ok. Oui. La Fondation. 23 la nuit où je nais, 2024 le Mazdik part au casse-pipe, la réussite fait son casting, l'état veut m'encastrer, j'ai plus d'un tour dans mon sac, en secret ils savent même pas ce que je peux faire dans le pire état. Ouais des trucs j'en ai fait, pas toujours bien, je te l'accorde. Des tas de gens j'ai rencontré, des situations ancrées. Tatoué de la récré, au chantier, intérêt j'ai à chanter mais à acheter je ne suis pas. Mon état s'est arrangé, des classiques est arrivé. Une thérapie sur mélodie, une carrière sur le tapis. Enivré au son et livré à mes souvenirs. Je suis venu délivrer mes sons, j'ai trop de causes à soutenir. Je vous en prie les proches, je veux que vous retrouviez le sourire. Cette envie de vivre et puis si je l'ai à disparaître. Je veux que vous restiez unis, comme on se l'était promis. Qu'on reste un soudine, qu'on soit digne jusqu'au dernier soupir. Chaque mesure embellit le décor quand il pleut des cordes. La brume en lady, plus de vérité dans les dires. V'là la mascarade, leur haine sous un mascara. Hein? Sous la peur, la masse cavale dans tous les sens. Leur flamme a besoin d'essence pour attiser. Notre asphyxie pactisée fait que certains font pactiser. Le mental en rotation, rage au beat fait pop un son. Le stud comme il mode Robinson. Les gros poissons à l'âme sombre tiennent au bout l'hameçon. Ne veulent pas que nos élèves prennent part à la leçon. Rares sont les compétents, je découpe les temps avec une telle minutie. Je tue la prod et j'élucide. Fuck tous ces traités que les élucines. Au milieu de toutes ces balivernes, comment rester lucide? À force de piller les ressources, ils ont été réussis. Le subterfuge est maître, les livres d'histoire ont réussi. Putain, et possédé de mes ailes, j'avance avec une plume, virevolte entre les lignes. C'est fantassin d'esprit sûrement. J'ai l'âme dans le son, l'écriture dans le front. Le puzzle se met en place, la chute est brutale et justement. Le morse prend son sens, un complément. Les mauvaises rencontres aiguisent ma plume finement. C'est un tournant, attiré comme un aimant. Je veux pas être très simplement, mais juste son brin charmant. Force de me casser dessus, sur le dos je mets mon grain de sel. Je suis Rouen de sel, c'est crime et châtiment. Ils croient que c'est eux face à moi devant ce miroir. Natif de Mayotte, c'est rime et sentiment. Mon cœur bat, tel un putain de tam-tam. C'est du hip-hop game, je serai un pressentiment. Je suis la partie émergée de l'iceberg actuellement. J'ai jamais fait de serment.
L'antidote c'est le spliff, j'suis pas antidope. J'galope comme une antilope, dans ma tête c'est le zoo. J'cogite depuis que j'suis môme tout seul sur mon îlot. Non j'ai pas d'idole, ouais ma gueule elle en dit long. Élevé par la street, dès mon plus jeune âge. J'côtoie la misère, j'aurais pas d'héritage. Ouais c'est Jimmy Omic, j'rappe sans m'arrêter. Reconnais que ça pique, sur moi t'aurais pas misé. Avec mon père l'artiste, sur un petit air de guitare. On fait le taf à Clermont, on se pète les cordes vocales. C'est pour la fondation, on met le son à fond et t'y a rien pour acquis. Sur un stru mémorable, fais péter le maquis. C'est le cosmos au studio, le stup pour l'impro, l'instru. Et cosmique, ça t'a fait sa pratique. Le maniement de la rime, la langue de Molière est très égocentrique et manque de pragmatisme. Les modéliers vulgaires et sans avis pourraient te coûter bien plus cher que de revenir en arrière. La vie n'a qu'un seul prix, celle de la liberté. Dans un film de cul, j'ai vu le bonheur se faire enculer. J'ai vu le bonheur se faire enculer, gros. Grosse punchline. Ok, on va repartir, ça fait. Allez viens, je t'emmène près du cœur, loin des liasses, loin des villes, près des plages, loin des docks et des tasses. De leur gueule, de leur guerre, de leur calache et de leur flaque, de sang, de leur plaque, d'agents quitter la France depuis longtemps. C'est ce qu'on veut tous, finir nos vies là où nos pères ont commencé les leurs, là où des mères ont déversé des pleurs. La vie parfaite on la veut et on se la fait à notre façon. En ermite sous le million ou sous les au Saint-Émilion. Sur mon île y'aura pas de vol, y'aura pas de viol, y'aura pas de toll, y'aura pas de drame. Vu qu'il y aura pas de calme, pas de vis, pas de vis. Juste des frères calmes, se tenant tous droits, tous prêts, tous sincères. Pas de Saint-Cyr on sort, mais au sein on se confie. Loin des contes de fées, des filles et des fouilles musclées, des flics. Je m'écarte des conflits, des combines et des flags. Frangin, frangine, on vous emmène loin de tout ça. Hey, oui, la fondation mon gars. On vous emmène loin de tout ça, hey. Ça c'est pour le poteau, parti trop tôt mon gars. Pour Guillaume, ça casse à Guillaume. Vous connaissez ouais. Guillaume. Tous ensemble. On aurait dû le dire, on aurait dû le faire. On savait, mais on n'a rien fait. Voilà le genre de phrase qui peut te hanter. On connaît tous la fin de l'histoire. On aurait dû le dire, on aurait dû le faire. On savait, mais on n'a rien fait. Voilà le genre de phrase qui peut te hanter. On connaît tous la fin de l'histoire. Enclencher le chargeur de mesure. Frappe au corps, on les aura à l'usure. On arrive d'en bas pour tout prendre vaillamment et tout rendre équitablement. Pas de diamant. Guette la comète, la constellation. Quand je vois le mode de vie, c'est la consternation. Guette la conso sur la canette. On veut finir la compile avant de caler. Éviter l'assaut et la sommation. Sous le pont, sa vie s'adore, il fait froid. Y'a du vent, des rats et ça fait des feux. Y'a des familles en bas qui font les frais. La faute à qui? À vous, à nous. Faute avouée, à moitié digérée. La traversée, la rétention. Embarcation, naufragée, chavirée. On représente tout, d'en bas en haut. Sur le techo et même en radio. On n'a qu'une chance, alors on la saisit. Kiffer les poteaux et taper le tempo. On a mission, on mène à bien. On représente ceux qui n'ont rien dans les poches. Écorchés vifs sont nos proches. Pas d'ironie, rip à au nez. Contre la misère, y'a pas de vaccin. Entre nous frères, y'a pas de larcin. Ni de non-dit, histoire bidon. De leur dire à commis, faudrait leur dire ce qui nous anime. On va vous dire ce qui abîme un homme. C'est ce qui fait qu'un autre s'habille. Comme dit Saïd, mec dans nos vies. On veut être acteur, pas figurant. Je peux pas m'y faire, je peux pas m'y faire. Rester en vie, c'est le pari fait. Dans un monde où l'honneur est tarifé. Je te dis pas tout ce qui peut t'arriver. Souvenir au périmé, pas de schéma, pas de dessin. Et ce jusqu'à l'extinction. Je gratte à l'aube, allez simple, m'éloignant de ce destin sombre. Abruti par le vice, par à l'avarice gros. Ahuri tous complices de notre crise gros. Humanitaire, faux solidaire, tous solitaires. L'humain me perd gros, les erreurs sont des leçons. Les méchants des hommes simplement délaissés. À coups de prose je vais dégager le sombre. À court de cause comment débaucher le nombre. En cramant des plaques habillées à la Gainsbourg. Hey, 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 hey. Croco veut pas dire habiller les gamins secours. Les mains secours, hey. Je sais pas par où commencer la rime. Veut me tester, des accros sont fixés par le fixe des artères sanglantes dans son rythme là. Vision fiction de l'héroïne triste, penchant semblant sans peine et sans veine. À trouver la haine de la recherche de sa dose quotidienne tard. Le soir dans les ruelles sont trop de leçons de l'homme touché par l'addiction. Addict à cette vie non sans risque, le penchant du vice où je fisse les ficelles du métier. Pas difficile à déceler si ce n'est qu'il donne l'amour au rat en guise de tripe. Pareil que c'est trippant, c'est un cercle vicieux sans essieu. Tout en dans le move, les muscles faiblissent, le sang noir. Si les idées sombres, le tympan cherche une lueur d'ombre. Les muscles faiblissent, le sang noir. Si les idées sombres, le tympan cherche une lueur d'ombre. Hey, la fondation, 93.3. C'est pour la fondation. Accueil de jour, 12 Mylène Goumi. C'est pour les gars de Clermont-Ferrand. Hey, on n'est pas clairement indifférent.
Ok. Hey, c'est pour la fondation. Dernier morceau, profitez-en. Pour ceux qui sont chez eux, montez le son. Pour tous nos collègues qui sont chez eux, montez le son. Ceux qui sont dans la voiture aussi, montez le son. Hey, dédicace à Yamina, merci à tous. Le froid des rues habite nos cœurs, pire qu'un congélo. Les pensées s'éteignent quand je vois s'approcher l'aube. Brume épaisse comme un automne, mon enfer le commun d'autres hommes. Impossible de jouer les miskins, les potos chantent les miskifs. Mental de baraki, on cracherait pas sur la parakim. Cassez pas la parakim, calme, je rappais déjà bien. J'avais pas l'âge de tease, mais le panache de 10 comme eux. La confiance prend un coup quand la traîtrise cogne. Je suis bien décidé à vivre en marge de vos règles, de vos lois, de gauche à droite. Rien ne va, donc laisse-moi que je nique ça. Je monte le ton, j'ote pour la révolte. Le revolver dans la gueule, d'un bloc, j'fuck les frocs, j'suis enfant du bloc, la voix des blocs et une des voix de ma ville. Je représente mon coin et tous les rats de la ville. Et si le disque sort, tu les verras ravis. Amis à vie, les frères, à vous l'on vit. Sur le globe, j'ai pas grand chose, j'posséderai. Je veux pas de richesse, ni patrimoine, ni fortune. Rien à foutre de vos thunes, j'veux la santé de mes gosses, les voir rire au quotidien. Eux seuls me gardent un peu au seuil de la folie. Donc laisse tourner l'instru que je vide mon chargeur. Emmerde les fouineurs, au vrai, je fais honneur. Je vis ma vie comme je l'entends et peu importe si tu me comprends. Dans ma tête c'est bouillonnant, génération dans la tourmente. Sacrifié, abîmé par l'État et les médias. Que veux-tu faire? Constreindre c'est impossible dans les médias. Chez moi on se laisse pas faire, on ne se laisse pas abattre. C'est pas pour demain que les miens vont marcher au pas. Ok, la fondation. Yo, okay, fantassin okay. D'esprit. Yo, yo, c'est qu'un chanteur. Yo, yo. L'image des taches d'homme sur ce manuscrit laisse un amer verdict au théâtre de l'écrit. Cri, cri, la vie semble souffler tendre et qui. Mais chaque phrase transcrit, c'est une étape de ma vie. S'il faut que ces conflits demeurent pour toujours, s'il faut de la haine qui te naisse, l'amour. La névreuse guette, ceux qui veulent tout obtenir. Ici se dessine la nécessité d'aimer ou de mourir. Imposture plongée sous la lumière du passé. La certitude du pire bascule ce monde dans le chaos. J'ai vu des gens, des paysans, aux membres sanglants et aux vautours dévorants. L'arme dans ma tête, c'est la street. Quand je marche en ville, je vois les villes s'y griller. Ils veulent nous condamner, ils nous ont pris tant d'années. Cam isolé, manque d'humanité, l'humilité est partie en fumée. Dans la merde jusqu'au cou, ton gun te fait pousser les couilles. Entre les bavures et les douilles, on va te la foutre. Sans aucun doute, la musique c'est mon milieu. J'ai fait l'effort, car il fallait le faire. Et ma plume, jamais ne dort, je suis pas fini. Des cahiers remplis, t'arriveras pas à m'arrêter. Fais pas la face dans la surface, joue pas la solidarité. Infréquentable, depuis que je suis môme, mon habit, l'habit ne fait pas le moine. Visionnaire, pourtant depuis tout petit, je suis myope. Mon père m'a montré le mal, et si tu fuis ta vie sans état d'âme, faut défoncer les portes. Quand je vois tous ces porcs, je me dis qu'ils mériteraient l'enfer. Face au maton, je fais pas d'effort, je mets pas les formes, je divague. Entre rêve et mirage, j'attends le miracle. Y'a pas d'oracle, je fais attention avec mon karma. Un jour ou l'autre, il me rattrapera. L'hiver, l'état veut remplir ses quotas. Trop de frères enfermés au quart plat. Tous les matins, on chine les voisins. À droite, à gauche, on veut tous la même chose. Toucher la porte, être enfin libérable. Sentez cette bonne odeur, il est temps de passer à table. On est tous un peu cristaux vu le nombre de casseroles. Certains sont des commis, d'autres sont étoilés. Et vu le nombre de conneries, on pourrait pas tout déballer. Il serait fou tout étaler, c'est doucement qu'on va se confier. Sous un ciel étoilé, y'a que Dieu qui voit ce qu'on fait. Confidence pour confidence, l'indulgence en est allée. La patience et la conscience sont décédées au bout de l'allée. On se sent comme des lions, en cage ses alliés. Avec et sans papier, otages de la misère sont mes alliés. Mes amis, avec et sans un sou, faut tenir court, Ali. Moi je veux pas que tu deviennes fou, ouais. Courage. Courage à ceux qui vivent la rue, je parle pas de tes faux semblants. Courage à ceux qui vivent à la dure, je parle pas de tes potes tremblants. On n'est pas venu jouer, on n'est pas venu faire semblant. Et c'est la gorge nouée quand on écrit en représentant. Yo, parti de rien, j'ai toujours rien. Regarde-moi aujourd'hui avec cette vie tiens. Mais vaut mieux un petit chien soir que grand dans la merde. Ne respecte pas nos droits et leurs lois nous emmerdent au quartier. On nous envoie des CRS d'après leur jargon. Nos cités sont des forteresses. Y'en a qui ont des nissons à la place des. Dès qu'il y a embrouille ou sinon calé qu'on défouille. Dans ma cité univers, l'été comblé fait d'hiver. Franco vert, côté cœur, les flics la costa contre cœur. Mes revenus minimum, désertion minimum. Taux de chômage au maximum. La plupart nous viennent de la zone mais nous sommes la somme de ce qu'ils ont fait de nous. Moi je sais pas pour vous mais ici j'en ai vu devenir fou. L'euro prend de la valeur quand t'en as pas. L'amour ne s'achète pas, je demande un don. Aïe aïe aïe, ouais, la fondation, on fait routine. Trop lourd. On va refaire le tour pour les noms et les prénoms, les gars. Allez-y, franchement, là, un par un. Medimed. Medimed au mic. Nico. Driss. Faridine. Alors, on va en profiter parce qu'il y a une loi martiale spéciale qui vient de passer dans le studio des rapporteurs, là, maintenant, tout de suite. Comme on passe une grosse dédicace à Seb de Papier qui n'est pas là ce soir.
Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On espère qu'il va bien. Apparemment, il va bien parce qu'il a envoyé MCCCP. Il a envoyé des petits jingles qui ont été faits par ses enfants à Nico pour qu'il les monte, pour qu'il les mette dans la radio, tout ça. Bon, ben Seb, on te souhaite une bonne année. On espère que tu vas revenir dans l'émission de 22-23h, Papyr Selecta avec vinyle. On va un petit peu déborder hein, parce qu'on est bien avec la Fondation. Donc, on va en profiter pour continuer et puis envoyer quelques instrus. Vous êtes chaud? Allez, c'est des joueurs, je te l'ai dit, c'est des joueurs. Allez, on commence aussi par une instru d'un gars du coin, vous le connaissez sûrement, c'est Freaky Joe. Ah oui, carrément. Grosse Joe. Dédicace à Freaky Joe. Qu'à se dédier, mon pote. Ah ouais. Ouais. À la soirée de 2013, je sais pas si tu te rappelles. J'avais bu une grosse taille de Jack, je m'en souviens. Sans modération. Hey, au début le chemin paraît clean, puis le temps le salit. Tu te prépares du mieux que tu peux, tel un pêcheur qui t'en salit. Mais le destin te surprend, aucun des chemins face à toi ne sont indiqués sur le plan. Aïe, les essais s'enchaînent, les erreurs aussi, le regard aussi. Pour réparer, y'a pas de carrossier, tourneront comme dans carrousel. Le sang coule, les gars on cède, on côté risque car on saigne. Apprenant ce que chaque jour enseigne, de la douleur la plus intense à la plus grande joie. Discussion profonde autour d'un joint de ganja. Refaisant le monde jusqu'au crépuscule. À en boire bien plus qu'une, à en boire bien plus qu'une. Ouais. Les regrets sont pour plus tard, laissons place à l'instant. Pas doué pour les schémas, j'avance à l'instinct. Quand la peine s'installe, quotidien devient instable. Fais monter le manomètre, à se battre pour jamais voir les baromètres. Une vision approximative, l'enfance a senti la tease. Quand les billets manquent, le mal attise, le manque de maille triste. Face au mic, je vends du rêve, sache que j'ai peaufiné mon art. Tout en espérant déconfiner mon âme. Le décor est sombre, le pilon fait décoller sale. Sous piave, les mauvais souvenirs deviennent méconnaissables. Ça s'écoule vite dans le sablier, pas le temps de se morfondre. Sous la chaleur de mes phages, je veux voir les corps fondre. Hey. Ok c'est Medi Medo mec, je viens pas minimiser mec flow. Au millimètre ça kip, pas besoin de métronome. En vrai enfance divisé c'est clair, je persévère. Il faut être fort élevé sans père et mère. Vu avant l'âge, c'est le tarif. Toi enfin je m'en remets au tarot. L'impression que je suis taré, je culpabilise. C'est pas ma faute, je pille à 15 ans, on reste parti. Je fais déjà les 400 coups posés à Dam ou en Belgique. Mon enfance, je mets des coups à 18 ans, ça part en couille. Mon quotidien c'est pas rose. À Charleville, les chiens nakas, ça chasse pour un jet de coco. Posé au bar des toxicos. Tous les soirs y'a que des schmitts, je vois que des têtes flinguées. Cramé frérot, des darons pervers qui se pètent la tête pour un revêt en vrai. C'est rare à barre avec plusieurs couplets. Toujours le même refrain à 2h du matin, ça part en guerre grave. En vrai, c'est clair que ça craint. Hey, en vrai, c'est clair que ça craint. Medimed, mon pote. Aïe aïe aïe, Medimed au mic, la Fondation. Unite à un seul corps, sur mesure, sur les accords. Faridine pour mes intimes, pour mes francs, je les ferai. Ceux de 50 pour me soutenir quand j'étais hors jeu. Pour ma mère, mes frères et sœurs, je les aime de tout mon cœur. Je croyais trouver une perle, j'ai ouvert une coquille vide. Mes soi-disant amis m'ont précipité vers le vide. Heureusement que j'ai la zig, zaplis pour cri, déchets d'inceste. Oui oui. Vous voulez que je remette celle d'avant plutôt du non, coup, Saïdine non, lui il commence. Je commence sur celle-là. Ouais. Allez, si tu veux. Hey, la Fondation officielle, Instagram. Je suis qu'un mammifère, je peux pas m'y faire. Rester en vie, c'est le pari fait. Dans un monde où l'honneur est tarifé, je te dis pas tout ce qui peut t'arriver. Souvenirs ont périmé, pas de tableau, pas de dessin. Et ce jusqu'à l'extinction. Je gratte à l'eau, à l'essaim, m'éloignant de ce destin sombre. Abruti par le vice et par l'avarice, gros. Ahuri tout ce qu'on pisse, c'est de notre crise, gros. Humanitaire, faux solitaire, tout solitaire. L'humain me perd, gros. Les essais sont des leçons. Les méchants des hommes simplement délaissés. À coups de prose, je vais dégager le sombre. À court de cause, comment débaucher le nombre. En cramant des plaques à Gainsbourg. 1, 2, 3, 4. Coco veut pas dire habiller les gamins secours. Les mains se coupent, sont prêtes à tout négliger. Statue de marbre érigée, la beauté est définie par une égérie. Portrait craché, c'est ta fille chérie, c'est ta fille chérie. Il t'affiche les risques, il trafique tes rires, faisant passer le meilleur pour le plus terrible. Tu n'es pas plus un homme quand tu fuis le shérif. Origines sont les mêmes quand tu fais le chéri. Et tu fléchéris dans le mauvais sens et tu réfléchis dans deux mots de sens. Remords indécents, accentue la descente. Ta flamme intérieure a comme un besoin d'essence. Essentiel est au ciel, compté comme absent. Sans elle, même les anges seraient en maintenance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Toujours un verre en main, dis-moi qu'est-ce qu'on fait? L'essentiel est au ciel. Elle comptait comme absence, sans elle même les anges seraient en maintenance. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Toujours un verre en main, dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Hey. La Fondation.
Allez, j'en envoie une autre. Hey. Pour Planeta Latino. Je démarque sur beat vénère. Je démarque sur beat vénère. Des rimes et des vers, des rimes et des vers. C'est Medimed, Medimed. Je débarque sur beat vénère. Ouais, je débarque sur beat vénère. Des rimes et des vers. Des rimes et des vers. Je démarque sur beat vénère, des rimes et des vers. Contre la somnie, des fois j'ai du flow. Quand j'ai ma cuite et que je suis cuit, ça y est, je me barre. Nouveau départ, fonce comme un guépard. Ouais, j'ai la rage en moi et je viens d'en bas. Des bâtiments en guise d'horizon, dans la cave au béton. Je regarde par le balcon tous les soirs, je vois des gros macros. J'en ai ma claque comme les mythos de Macron. Non, j'ai pas don, je vais pas finir là-dedans. Des bidets bas, débats, fini en prison pour une patate, une claque. La justice est grave, sentence toujours véridique. En fait, ça pique. Rien que ça se pète, on galère grave. On ramonte à flari, mon trip. En pratique, on traîne le dôme, crame. En guerre avec mon verre de rhum, ça roule. J'ai trop mal au crâne à Noël ou pas. On crève dehors ou en prison. Toujours un gros pilon présent, le bédo c'est la raster, ça piave les halls, les squares, on se fait des scènes en scred, l'homme est complexe, c'est clair. L'homme est complexe, c'est clair. Clair comme un crime sacré, pour moi un 4 c'est faible, à deux doigts de péter un cap quand je regarde les infos, je colle. Je vois des gosses en larmes ou la misère à supprimer l'école, ça y est, je perds mon calme, ouais, je suis tout pété au fond, la foi c'est faux, si tu veux remplir ton assiette. Hey, si tu veux remplir ton assiette, si tu veux remplir ton assiette, si tu veux remplir ton assiette. Hey, la fondation, la fondation. Hey. L'esprit déborde, le speed est banni, l'esprit s'épanouit. Ils vont se dire impossible, hey. Ce n'est pas lui. La victoire quand leur visage auront pâli. Hey, hey, j'ai pas lu la notice, mais la prose est alléchante. On vient prouver que même certains cannes échangent, ils votent en pensant que celui-ci est moins méchant. Hey, leur talent est inexistant comme un fils de nuque. La pureté te protège, le vice t'éduque. Prends ta leçon de comment brise des nuques. On a révisé donc on maîtrise le truc. Ma détermination méprise les failles, car victorieux sont les épris d'efforts. À force de croquer la vie, j'ai pris des formes. Hey, on enchaîne les verres au bar ou devant la page. Qu'allumé à la main faisant la page. Tu peux pas voir le propre en fixant la tâche. Combler son absence en brisant la tâche. Ne perds pas des yeux l'arrivée sur le trajet. Même si tout est traché, sombre, on vient cracher le son. Sublime, phrasé, va tous les écraser. Hey, la fondation. Ouais, ouais, c'était Driss, trop chaud. La fondation. Hey, hey, la fondation officielle. Ok. À ce qui paraît qu'à l'époque il y avait du sens dans ce qu'on faisait. À ce qui paraît qu'à l'époque il y avait le message dans ce qu'on disait. Entre nous c'était lié, entre frères c'était vrai. Nostalgique de l'épopée, pareil que le style était frais. L'effort d'épée était fait, les thèmes étaient forts. La forme était folle, la toile était ferme, ouais. La rage est intacte, la voix un peu grasse. Sur la feuille des gueules, des rimes, des phases, pas toujours classe. Hommage aux vaillants qui tentent, amour à nos proches qui morflent. À la vie, à la mort, et amour à la vie. Hommage à nos morts qui manquent, dommage que les grands s'allument. Carnage quand les petits se terminent, trop de deuil dans nos familles. Trop de mères en pleurs, trop de jeunes. De gens qu'on isole, on n'oublie pas leur chimie camisole. Ils ont le pouvoir de briser un homme s'ils ne rentrent pas dans leur case. L'acte et la parole dérange, le mélange dérange. Ok. Yo, yeah. Yo. Yeah. Ok. Yo. Yeah. La rue m'a adopté pour la rime, j'ai opté. Parfois la mer tu me guintais, mais tout sonnait faut grincer. Le rap c'est ma vie, je m'en fous de ton avis. Ambiance raga hip hop jusqu'à l'aube non stop. C'est clair, ça va swinguer, toutes les filles sont stringées. J'ose creuser d'os pour que mon crew s'impose. L'avenir me réserve beaucoup de surprises, mais avec mon hip hop j'agis à ma guise. Je crée le pire, les condés conspirent. De ces mots je murmure, endosse mon armure à l'horizon. C'était construit une prison, sans confiance, y'a pas de trahison. Loin de la traîtrise, loin de la j'vise. Mais qu'est-ce qui les fait courir, si vivre c'est mourir. Les crimes, des airs et points de cruauté des autres. Une histoire efface une autre, et puis v'là l'apôtre. Mais c'est la crise, rien ne maîtrise. Inconscient, il devient ce qu'il méprise. Laissé pour mon raphone cal. Ouais, ouais, la fondation. Le petit break dans l'instru, bah, je vous en propose une dernière, un classique. Allez. On va partir sur Atmosphère suspecte. Oh. Oh. Ok. La fondation.
La rue parle d'elle-même et elle te balance beaucoup de ragots. Et si tu passes dans la mienne, t'écouteras toutes sortes d'argots. T'y croiseras des charclos, des gens bien, des trafiquants de narcos, des gosses narquois, mais bon, ils sont pas mauvais. La rue parle d'elle-même et elle te balance beaucoup de ragots. Et si tu passes dans la mienne, t'écouteras toutes sortes d'argots. T'y croiseras des charclos, des gens bien, des trafiquants de narcos, des gosses narquois, mais bon, ils sont pas mauvais. La rue parle d'elle-même et si fort que j'en suffoque, elle est triste. Sa loi est sans pitié, faut être fort, attentif, car n'importe quand elle te sort du scénario, tu n'es qu'une proie facile à appâter dans ses griffes. Le vice est devenu ça. Y'a plus d'un gars susceptible de refourguer de la dope à ton fils, de faire taf et ta sœur. La rue c'est la sueur, certains y vivent et d'autres n'ont peur. Elle te parle, cache, te fait mal, t'hypnotise, ouais. Trop de frères l'écoute, donc bien sûr mal ils finissent dans ce décor bizarre, mélange de haine et de blizzard. N'agis pas comme un brancard, risque de finir sur le brancard. Business illicite, trahison. La rue parle d'elle-même, j'entends d'ici les cris. Mes récits rêvent de paix, de réussite pour tous. Entendu, ma prière, ça reste la même qu'hier. Alors ça rappe, ça mixe, ça break et ça graffe. La rue parle d'elle-même et ça leur fait peur. Montrons-leur ce qu'on sait fier, restons fiers et soyons dignes. Et peut-être qu'un jour, ouais, la rue parlera de nous. Hey, la rue parlera de nous. Et peut-être qu'un jour, la rue parlera de nous. Et peut-être qu'un jour, la rue parlera de nous. Et peut-être qu'un jour, ouais, hey. Le phrasé rayonne tellement, tes tympans se mettent à bronzer. Faut que ceux qui aiment pas les teints foncés, faut que l'état français venez pas jouer les offensés. Quand ils étouffent leur souffrance en métamorphose, en tout en cendres. La victoire dans l'unité face à l'élite du monde. Reste fort, il frappe en fonction des faiblesses que tu montres. Y'a plus le temps pour masse de tact, violent comme une frappe de foudre. Ils salivent sur les 16 comme à la vue d'un gramme de poudre. À croire qu'ils font l'effet d'un crack de fou. Face au mic, les défauts se volatiles comme une tache au lavomatique. Forme olympique, rien ne résiste quand on s'implique, frère. Rien ne résiste quand on s'implique, frère. Hey, hey. Hey, je raconte ma ive, 29 piges, une amère sur le bord de la rive. Avec l'alcool, je m'enivre. J'ai le mal de vivre, passé morbide, affirmatif. Je m'en bats les couilles, des futilités, fautifs ou pas. Je me suis engrainé dans des délires d'alcool flingué. Avec mes potos, la plupart derrière les barreaux. On avait les crocs, fils de dealer ou ouvrier. Passé par ça, pas si facile pour un smic d'aller se tuer. Toute une vie à travailler, je trouve ça stupide. Lève-toi, sois libre, oublie le matérialisme. Pro à trip, en perspective, tu mets des gilles, ça me réanime. Merci, ma petite, pour ta franchise. Je veux pas rester sur mes acquis. Acquis de toi, un but de toi, pas sûr de moi. C'est beau, c'est sûr, je veux passer dessus, mais je suis sincère dans l'acte. Marie et mon art laisse son impact. Avec ma mif en mode trio, on faisait la rousse, trip et trip road. On fumait pas que des connes en bar, ça nique la paye au bar. Tu te rappelles du carambar, une délium raide pour décompresser. Si on embrouille, c'est qu'on a déjà niqué le futchi. Mais ouais, je suis fumé, je vois des darons péter du casse sévère. Limite pervers à la quarantaine, je sais pas ce qu'ils sont mis en tête, frère. Parti de rien, j'ai toujours rien. Regarde-moi aujourd'hui avec cette vie de chien. Mais vaut mieux un petit chez soi que grand dans la merde. Ils ne respectent pas nos droits et leurs lois nous emmerdent au quartier. On nous envoie des CRS après. Leur jargon, nos cités sont des forteresses. Mais Anna, qu'ils ont des nichons à la place de. Dès qu'il y a embrouille ou sinon calé qu'on défouille dans ma cité univers. L'été comblé fait divers, recouvert côté cœur. Les flics la constat contre cœur. Me revenu minimum, désertion minimum, taux de chômage au maximum. La plupart nous viennent de la zone mais nous sommes la somme de ce qu'ils ont fait de nous. Moi je sais pas pour vous mais ici j'en ai vu devenir fou. L'euro prend de la valeur quand t'en as pas. L'amour ne s'achète pas donc demande un don. Pardon à femme du monde, pour maman avant tout. Je tiens à la remercier de ma venue au monde depuis ce 1er juin. La famille s'est agrandie, moi aussi j'ai grandi hélas. Les problèmes aussi. Ça me parle d'elle-même. Et elle possède même son art, le hip-hop, ce sonar qui me pousse à écrire le soir. Ce qui m'aide à revirer dans ce sonnage. J'écris mes crampes d'estomac, des gueules, des rimes. Dans le mic, matelas dégaine quand je suis high. Les rues de ma ville te parlent avec leurs murs et les graves qui les ambiancent. Les petites marues s'arrachent les genoux en bréquant. Écrivent des textes de titan, va pas leur dire que c'est bidon. Oui, de balafra la mode gitan. Dans l'ensemble, la rue n'est pas une valeur sûre. Et si tu ne me crois pas, elle-même te le prouvera. Elle te surveille, te dégoûte, te ronge. Et surtout, elle n'oublie pas, elle parle plus fort que toi. Faites-vous un putain de big up. Les rapporteurs, on a un petit peu dépassé. 22h15 sur Radio Campus 93.3 FM. Ah, il faudra aller chercher la deuxième partie du freestyle dans le podcast de Papillère, quoi. Exactement. campus-clermont.net, campus-du-6, clermont.net pour aller chercher les freestyles. Vous les allez voir dans. Vous cliquez sur en direct et vous voyez, tiens, il y avait un truc hier. Vous allez dans hier et vous choisissez votre heure et vous pouvez réécouter. Ou autrement, pour la première heure, vous allez sur le Spotify des rapporteurs. Vous allez sur Spotify, vous tapez rapporteur avec un P parce que le rap, ça a qu'un P. C'est une bonne fondation, voilà. Tout simplement, on va en profiter pour faire un big up. Parce qu'on a parlé de tout le monde, mais on n'a pas parlé de.
Julie. Julie qui veut surtout pas prendre le micro, surtout pas qu'on parle d'elle. Donc Nico, tu peux nous la présenter? Oui. Bah franchement, elle va se présenter. Allez, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Je t'en prie, rapproche-toi. Donc, Julie, chargée de communication au collectif, depuis peu, depuis deux mois. Voilà. Donc on va avoir une vidéo de cet événement aussi Une petite, oui. Ah, sympa, qu'on pourra retrouver sur l'Instagram du coup. Tout à fait. Parfait. Et des photos. Avec bien sûr un hashtag les rapporteurs qu'on pourra retrouver après sur Facebook, nous, pour faire tourner dans le 6-3. Nico, oui. Nico, il a regardé un peu Julie, tu sais. Hein. Tu vas me faire voir les embrouilles, toi. Ok, pas d'histoire. En tout cas, on se tient au jus parce que les projets continuent. Donc, yes. On se tient au courant de vous allez aller. On a noté qu'il y avait une maquette 4. On l'a pas écouté. Les enfants, du collectif. Ouais, les enfants du collectif, mais c'est pas. Qui allait sortir. En fait, c'est. Regarde le micro pour qu'on entende bien. C'est une reprise du Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un morceau qu'avait fait Rachid, donc demi-portion sur son album Mots croisés, je crois. Et du coup, quand on a commencé le projet, on s'est dit pourquoi pas inclure les enfants. Et David, le mercredi, s'occupe. Il va souvent au pôle famille du collectif. Une anecdote sur le pôle famille, David. On n'a plus le temps. Avec les collègues, avec Manon, avec je crois que c'est Samira et Renaud. Voilà, ils ont travaillé. Tous les enfants, ils ont travaillé le morceau de Rachid, donc qui est pas facile parce que c'est des enfants qui parlent pas français. Ouais. Donc ils ont appris la chanson en phonétique, donc c'était vraiment pas facile, et après ils ont eu l'opportunité d'aller en studio. Voilà, et d'ailleurs en parlant de studio, un grand grand merci à profitez-en parce que là c'est le moment où si vous avez des Loïc Pasquier, voilà. Loïc l'alchimiste, merci pour ton travail, merci pour ta patience. Incroyable le peu de temps qu'il a passé sur ce projet, ce qu'il a été capable de faire déjà, donc je pense que la suite va être fort 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 avec lui, hein. Mais t'es chargé de com ou t'es... Ouais, bien sûr. Ça, c'est Driss. Il m'avait prévenu, Nico, il m'avait dit, tu verras Driss, t'as pas besoin de le pousser, c'est bon. Voilà, c'est... On veut l'adresse. Maxime. C'est ce que je maîtrise le mieux, le 12 rue Emilienne Goumi. Et donc ouvert du lundi au samedi. C'est ça. Voilà. Pour l'accueil de jour. On va se quitter avec un petit morceau de demi-portion, puisque exactement. Vous avez ramené pour lui faire passer le big up. Voilà, on l'avait déjà mis, mais bon, quand c'est bon. Ouais, c'est trop bon. Voilà, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Sort son album là, le 19 janvier, c'est valable en précommande. De demi-portion. Ouais. Pas l'édition le vôtre. L'édition limitée, 19 janvier. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et ben on va se quitter avec le morceau Adrénaline, sorti tout récemment. Et puis on va se quitter avec notre gimmick aussi. Et bah oui, vous connaissez. Charge de le faire. Nico, tu sais un petit peu comment ça marche? Ouais, t'es déjà venu une fois. Ouais, mais. L'archouma, quoi. Bon, en gros, je préviens ceux qui ont les mics, c'est pas la peine de gueuler. Hein. Juste mettez-vous une bonne distance, c'est bien. Il y a une personne qui dit change et tout le monde dit sauf le rap en réponse, d'accord. Tu veux vraiment que je le fasse? Allez, je le lance. Allez, on peut le lancer tous les deux, comme ça, ça va les booster un peu. Les gars. Changez tout, sauf le rap. Changez tout, sauf le rap. Changez tout, sauf le rap. À la semaine pro. Allez, on va sur celui-là. Adrénaline. Homeboy, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des trains, qui défoncent tous les stores. À tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des trains, qui défoncent tous les stores. C'est pas du vandalisme, c'est de l'adrénaline qui transforme une œuvre d'art dans les métros de Paris. Y'a encore une odeur de bombe sous les graffitis. À ceux qui chargent la peinture, même si le sac est petit. C'est à l'heure où tout le monde dort qu'on sort tard. Sonne le gang, camouflé comme un soldat. Caméra postée, envoie un coup de posca. En bref, petit café et ça repart de bronze pas. On a connu des caisses
rêve de cette abaisse par la tenue vrong et nickel. Et on démarre le Vespa, on se rabaisse pas. Admire le spectacle à tous ceux qui portent leur tag et qu'on retrouve dans chaque gare. On arrive à survoler chaque map. Et en bonus on te fait la façade. Représente le squat, le crew est dans le square. On ligue tous ses dirigeants, y'a pas de mystère. On est dans spot, les gueules, balance un bloc letter. A tous les bons guetteurs qui défendent l'univers. A tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des trains, qui défoncent tous les stores. A tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des trains, qui défoncent tous les stores. Un Condé, 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 Condé. C'est pas du vandalisme, c'est de l'adrénaline. Et si tu vois pas le blaze, faut que t'apprennes à lire. Je monte sur les toits de la ville, me cale sur quelques tuiles. A tous les graffeurs de France qui mélangent tous les styles. On reste dans l'esprit, en pleine élévation. C'est qu'on s'investit, on perd avec passion. Fresque ou fat cap, tous en première classe. On a plusieurs caps, chargés dans le East Pack. Masqués comme des chimistes, une vue panoramique. Et tu sais qu'on laisse une trace, même si la police rapplique. A tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des traits, qui déposent tous leurs flops. Le mur un espace. Donc le message passe à tous nos anciens. Donc logique à Miss Van. Fais pas gaffe, attention si tu repasses sur la voie ferrée, on te laissera une dédicace. À tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des traits, qui défoncent tous les scores. À tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des traits, qui défoncent tous les scores. Non, le bâtard. Putain. Vas-y, je recommence. Vas-y. À tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des traits, qui défoncent tous les scores. À tous les homeboys, c'est signé hardcore. Ceux qui tapent des traits, qui défoncent tous les scores. Pas dire qu'on fait ça pour rien, on fait ça pour qu'on nous voit. Faut être franc quoi, moi je fais ça pour que quand les gens ils voient écrit Fab sur un mur ils s'en rappellent et puis voilà.